Le Paris de la fin du 19e siècle. Une ville délabrée et insalubre, mais une ville qui va bientôt connaître une révolution architecturale sans précédent grâce à Napoléon III et son préfet, le baron Haussmann. C'est lui qui demande aux photographes de l'époque d'immortaliser tout ce qui sera bientôt détruit. Charles Marleville est l'un d'entre eux. Il a fait à peu près 400 photos du vieux Paris sur 5 ou 6 ans. Tel qu'il était avant Haussmann, en fait, finalement, le Paris tant regretté par Baudelaire, par Victor Hugo, par Gensu, etc. Assainir et moderniser Paris, mais aussi donner aux Parisiens le minimum vital, comme l'eau courante, telle est la priorité de Napoléon III. Dès 1853, il lance le chantier, il va durer 17 ans. Ils ont abattu 20 000 immeubles insalubres, ils en ont recréé 30 000. Ils ont créé 300 km de voiries, ils ont créé 600 km d'égouts. C'est un travail colossal. Quand on voit avec quoi ils ont travaillé, c'était avec des pioches, des pelles, et rien, il n'y avait rien. Quoi. Charles Marleville travaille en calotype, un procédé qui permet de faire plusieurs tirages d'une même photo. Mais à l'époque, les temps de pose sont tellement longs que les rues sont vides alors que Paris grouillait de monde. Le photographe, il posait, il ouvrait l'obturateur de son objectif, il partait se promener, il revenait 15 minutes après, il fermait, il avait fait sa photo. Donc il est évident que tous les gens qui passaient pendant ce temps, ils s'étaient bourrés de monde. N'était pas fixé, c'est-à-dire on ne pouvait pas fixer le mouvement. L'avenue de l'Opéra avant Haussmann et après. Mais le baron n'a pas construit que des immeubles et des rues. Il est aussi à l'origine du bois de Boulogne et du bois de Vincennes, ainsi que des squares. Pour l'anecdote, il a aussi éclairé Paris, jusqu'alors plongé dans le noir. Un des traits de génie de Napoléon III et d'Haussmann, c'est d'avoir transformé la ville telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, et qui a pu accepter toute l'évolution de la technique, de la voiture, etc., à tel point qu'aujourd'hui, on peut même mettre des couloirs de vélo, des couloirs de bus et tout, et les voitures circulent encore. Le modèle haussmannien ne perdure pas seulement à Paris, il s'est exporté à travers le monde, en Autriche, en Belgique et jusqu'en Russie.